Jésus est condamné à mort. Le doigt est accusateur. Jésus est l'accusé, celui que l'on condamne. Roi sauveur, Fils de Dieu, Sauveur, il est impassible. L'accusation est inacceptable, impossible à entendre. Il est prêt à donner sa vie. Pilate s'en lave les mains. Seigneur Jésus, toi qui as été condamné injustement dans l'indifférence générale, délivre-nous de toutes nos passivités et de nos manques de courage devant les condamnations injustes. Donne-nous d'être solidaires de tous ceux qui subissent des injustices de toutes sortes et de tous ceux qui sont écartés et exclus. Jésus est chargé de sa croix. Les soldats accomplissent leur mission, le visage dur. Le chemin de croix commence dans la douleur. Le chemin de croix sera difficile et âpre. Il fait sombre. Avec sa croix, Jésus porte sur nous un regard de berger miséricordieux pour que nous retrouvions les chemins de la solidarité et de la communion, les chemins de l'accueil et de l'écoute, les chemins de la justice et de la paix, les chemins d'un sourire bienveillant, les chemins d'un cœur ouvert, les chemins de la lumière, les chemins de la réconciliation. Seigneur, tu portes ta croix et avec elle, toutes les nôtres, si nombreuses. Redonne-nous confiance dans toutes les difficultés de nos vies. Redis-nous que tu marches avec nous, toujours solidaire de nos souffrances et de nos malheurs. Que ton courage renforce notre courage pour affronter les difficultés de la vie. Jésus tombe pour la première fois. C'est l'enfermement progressif dans la violence soldatesque. Impression d'abandon. Jésus fixe le sol. Le regard perdu. Il ploie physiquement sous le poids de l'épreuve avec peut-être le sentiment d'être abandonné. Christ Sauveur, maltraité, accablé de souffrance, tu rejoins tous les hommes et femmes maltraités, humiliés, frappés, dans la capacité de se défendre. Rencontre du Fils et de la Mère. Jésus et Marie. Une rencontre bouleversante, celle d'un fils condamné à mort, poursuivi par la violence de la foule. Celle d'une mère marquée par la dureté de ce qui est infligé à son fils. Elle est Marie de tendresse. Seigneur, apprends-nous, à la manière de Marie, à regarder ceux qui souffrent et ceux qui sont exclus. Aide-nous à leur donner du temps. Comme Marie, donne-nous la force de la foi
et de l'amour pour être présent quand nos frères et sœurs ont besoin de nous dans les difficultés et dans la nuit de la souffrance et du doute. Donne-nous de les aider à porter toute leur croix. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Sur le chemin de souffrance, une deuxième rencontre est importante, celle de Simon de Cyrène. En quelque sorte, Monsieur Tout-le-Monde, qui passe par là et qui accepte d'être réquisitionné. Son regard attentif à Jésus, marqué par la douleur, devient regard bienveillant de celui qui s'engage dans le service jusqu'à aider Jésus à porter sa croix. Il ne s'était pas particulièrement préparé, mais était disponible dans son cœur. Le visage de Jésus traduit son merci et son abandon entre les mains de cet inconnu. Seigneur, change notre regard pour être attentif à celui qui arrive sans prévenir, aux personnes du palier comme à celles que nous croisons, aux blessés de la vie et de l'amour, à tous ceux qui frappent à la porte de nos cœurs, à celui qui a besoin d'être aidé pour porter sa croix. Apprends-nous les chemins du véritable amour et de la réconciliation. Donne-nous le courage de nous aider les uns les autres, particulièrement dans le doute et les épreuves. Fais de nous des Simon de Cyrène, bienveillants et disponibles. Jésus tombe pour la deuxième fois. Jésus chute à nouveau. Son regard exprime la détresse, la douleur. Jésus est au fond de l'horreur. Serait-ce le triomphe de la violence? Jésus, le visage penché, se relèvera. Christ, notre frère et sauveur, change notre regard sur les autres. Apprends-nous à voir au-delà des apparences et à reconnaître toujours dans l'autre son visage d'enfant de Dieu, désireux d'être accueilli et aimé pour ce qu'il est. Dans nos détresses et toutes nos faiblesses, redonne-nous le sourire qui ouvre l'avenir. Dans nos échecs et nos réussites, viens au-delà de nos mérites alimenter nos cœurs, toi notre véritable bienfaiteur. Au cœur de notre humanité, en quête de fraternité, aide-nous à inventer des chemins de générosité. Jésus parle aux femmes de Jérusalem. Jésus s'est relevé. Le chemin de croix continue au milieu de la foule des passants. C'est presque une scène de vie ordinaire, une scène de rue dans une grande ville. Jésus, portant sa croix, se tourne vers des femmes qui le suivent. Il a un geste bénissant. Il invite à la conversion. Les femmes symbolisent toutes les personnes de bonne volonté qui osent la présence et la fraternité malgré la dureté des événements. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes ces personnes au regard bienveillant
qui, dans le monde, sont signes du pardon et de la miséricorde, signes du partage et de la communion, signes de l'espoir et du don de soi, signes de lumière, signes de salut. Jésus tombe pour la troisième fois. Jésus tombe encore une fois, son visage à terre est souillé par la terre d'Israël. La croix est de plus en plus lourde. Le sommet du calvaire n'est pas loin. Jésus n'en peut plus alors qu'il arrive au Golgotha, lieu du crâne. Il n'a plus que la force de faire la volonté du Père, d'aller jusqu'au bout. L'horreur du drame vécu par Jésus arrive à son terme. Il se relève. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Christ, toi qui as partagé notre condition jusqu'au bout, jusque dans les pires souffrances, combat avec nous la marée noire de l'indifférence et de l'égoïsme. Avec tous les hommes de bonne volonté, encourage-nous à repousser les vagues de la violence qui déchirent notre humanité. Donne-nous la force de combattre les tempêtes qui secouent notre Église et notre monde. Donne-nous de retrouver la paix par le sacrement de réconciliation. Donne-nous de continuer notre marche solidaire avec l'humanité déchirée. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Sous un ciel d'orage, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Son regard dit son abandon à la volonté du Père. À lui, le Fils de Dieu, on a tout enlevé, ôté ses derniers vêtements. Jésus, dépouillé de tout, rejoint les sans-terre, les sans-toit, les sans-affection, les sans-culture, les sans-papiers. Seigneur, toi le serviteur souffrant, vers toi nous venons, avec tous ceux qui n'ont pas de quoi se loger et se vêtir, avec ceux qui sont méprisés et ignorés. Nous venons vers toi, avec tous les dépouillés de l'humanité. Donne-leur la force. Réapprends-nous les chemins de l'espérance. Redis-nous qu'avec toi, tout est encore possible. Aide-nous à nous débarrasser de notre orgueil et de nos égoïsmes pour que nous sachions mieux répondre aux dons que tu fais de toi-même. Fais qu'à la manière de Marie, ta mère, nous restions fidèles jusqu'au bout. Jésus est cloué sur la croix. Cloué sur la croix, Jésus regarde ses bourreaux avec sérénité et dit « Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les clous transpercent la chair sous les coups de marteau. Ô Christ, qui va jusqu'au bout du don total, jusqu'à être cloué sur une croix, délivre-nous de tout ce qui peut nous clouer. La maladie, la peur des autres, les échecs, l'acceptation difficile de notre âge à partir d'une période de notre vie, la diminution de nos forces physiques,
la prise de conscience de nos limites. Rassure-nous, Seigneur. Rends-nous forts comme quoi tu es fort. Fais que nous restions unis à tous ceux qui, à travers le monde, portent avec toi les stigmates de la crucifixion. Jésus meurt sur la croix. Jésus est sur la croix, l'arbre de la mort. Le regard tourné vers la terre, il expire après s'être confié. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus s'abandonne à son Père. Il donne sa vie pour que l'humanité vive de Dieu. Jésus est allé jusqu'au bout de l'amour universel. Sa croix deviendra le signe du salut à tout jamais. Christ, de qui jaillit la tendresse de Dieu pour le monde, apprends-nous la fidélité au Père, y compris dans nos souffrances et difficultés, dans nos doutes, nos ténèbres, nos questionnements et nos refus. Apprends-nous à te faire confiance et à nous abandonner à la miséricorde de Dieu le Père. Que ta croix nous conduise à la vie. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Marie est là, son regard se pose sur ce fils, au corps inerte, regard douloureux, regard de tendresse. Geste accompli avec douceur et délicatesse. Toi, Seigneur Jésus, qui as donné ta vie par amour pour nous et par fidélité, donne-nous la disponibilité du cœur en toutes circonstances. Fais que nous sachions nous appuyer sur toi, notre Sauveur, roc de nos vies. Fais que Marie de la tendresse soit présente à toutes nos détresses, pour nous soutenir et nous aider à surmonter les épreuves de la vie. Mise au tombeau. Cette mise au tombeau est déjà l'annonce de la résurrection. Marie, proche du visage de Jésus, Marie, comblée de grâce, dans la foi, espère en la volonté du Père. Ô Seigneur, maître du temps, qu'éclate à jamais ton printemps, celui de la vie retrouvée, de la mort vaincue et terrassée. Donne-nous de te proclamer, de t'annoncer, toi le ressuscité, avec les hommes si divers, chercheurs de ta lumière. Qu'éclate notre joie, que grandisse notre foi,
que ton Esprit Saint rende notre monde plus divin.